Je suis un potier, mais pas que. Je fabrique de la céramique ancienne. Pour moi, c'est assez important de faire le job de A à Z. Je vais aller chercher certaines de mes argiles. Et ensuite, fabriquer les vases, fabriquer les objets et les cuire avec le bois que j'ai été chercher à la forêt. J'étais à l'école, je m'intéressais déjà beaucoup à l'histoire et surtout à l'archéologie. C'était l'époque des grands chantiers à Yverdon et donc on découvrait énormément d'objets préhistoriques dans les chantiers du bord du lac à Yverdon. Et moi, ma voie était toute tracée, je voulais devenir archéologue. Et on m'a fait comprendre que, premièrement, archéologue n'était pas un métier. Et puis, comme j'ai la tête dure, j'ai insisté. Et puis finalement, on m'a craché le morceau, on m'a dit, de toute façon, toi, d'où tu viens, tu seras tout juste pour en tenir une clé à molette. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal sur le moment. J'en ai retiré une frustration. Là, je suis devenu un peu enragé. On n'est pas issu de la bonne société verdonnoise, ce qui fait que ça a fermé certaines portes. J'ai fini par abandonner le projet et finalement j'ai fait une école de mécanique qui va beaucoup me servir plus tard. Peu de monde à Coirny, c'est exactement ce que je fais. Je n'ai pas pignon sur rue, je n'ai aucune enseigne et je préfère cette discrétion-là. Il me faut un calme et il me faut une certaine solitude pour réaliser mon travail. Thank you.
Le grand avantage d'avoir appris la mécanique, c'est qu'on apprend d'abord la structure de la matière. Chaque argile a une structure propre qui aboutit à une approche différente. Voilà, on a certaines terres qu'on peut tourner vraiment comme des brutes. Et il y en a, il faut vraiment y aller à patte douce, tout doucement. Il faut lui parler doucement, il faut la regarder doucement, sinon tout s'effondre et tout part en vrille. Pour le geste antique, on va se fier aux traces qu'on peut retrouver sur les vases. Rien ne remplace la vue directe, rien ne remplace le toucher, de sentir le grain de la terre, voir le soyeux du revêtement, la couleur de la robe, de voir les couleurs. Ça vaudra toujours beaucoup mieux qu'un bon dessin, une bonne photo. On est dans le dépôt archéologique d'Avenches et c'est tout ce qu'on a découvert ces 200 dernières années sur le site romain d'Aventicum qui était la capitale des Helvètes. Ce que nous disent ces pierres, que nous disent tous ces objets qu'on retrouve dans les fouilles, c'est à nous de les interpréter. Puis Pierre-Lin, lui, il complète cela. Alors, il a des grandes connaissances hein, aussi en céramologie, mais surtout en technologie, technique de fabrication de ces céramiques. Et il est un apport fondamental pour nous, parce que nous, souvent, sur les bancs d'université, on apprend la théorie, puis on sait dater des céramiques, mais on ne sait souvent pas comment elles sont faites, comment est l'argile. De le voir, ceci. Génial. Finalement, c'est pas le vase qui nous intéresse, à part du point de vue technique, mais c'est ce qu'on y a mis dedans, c'est qui les a utilisés, qui les a tenus. On trouve parfois sur les vases des noms, on trouve des noms du potier, de potier, on trouve des graffitis. Celui qui a utilisé le vase voulait peut-être pas que quelqu'un d'autre l'utilise, a mis son nom. Tout ça, c'est des. On trouve des traces de doigts, donc c'est tout à coup 2000 ans qui sont anéantis, on se retrouve en face de quelqu'un qui a laissé des traces. On a un doigt, deux doigts, trois doigts, et le pouce doit être quelque part à l'opposé, voilà. Donc, bon, il est solide, hein. Donc, le potier va prendre son vase comme ça, il va le tremper dans sa barbotine, il l'égoutte, et il le redresse. Est-ce qu'on peut voir par les traces de doigts, l'épaisseur des doigts, et savoir si c'était des femmes, des enfants? Alors, une police scientifique en France s'est intéressée à ces empreintes digitales. Ouais. Donc, ils ont pu découvrir que monsieur, madame, et un fiston ou fifi avaient travaillé à l'atelier. Dans le même atelier, oui. Il a ses décors d'animaux. Comment c'est fait? Soit avec un roseau creux, soit avec un petit pot avec un bec. C'est vraiment difficile à dire. On ne retrouve jamais ça dans les fouilles. Moi, je pense que c'est quelque chose qui ressemble à une douille de pâtissier. L'outil avec lequel tu écris bon anniversaire sur le gâteau de tes enfants. Ouais. On va d'abord faire le dessin de l'échine. Ensuite, on fait la tête, ensuite on fait le corps. Et là, on pose la barbotine de la patte arrière-droite pour commencer. Et ensuite, la patte arrière-gauche. Et comme ça, tu as la musculature de la cuisse qui est prominente. C'est quelqu'un qui est passionné, il a un enthousiasme contagieux et qui nous raconte des histoires. Et finalement, l'archéologie, c'est aussi ça, c'est raconter des histoires. Thank you.
C'est un four gréco-romain. Et là-dedans, je pourrais mettre 300 gobelets de 3 décis ou 10 cruches de 10 litres. On va allumer le feu, et là, il faudrait être très patient, parce qu'il y en a pour 15 heures, à peu près. Ça dépend. Si on a un bel orage entre deux, on aura une ou deux heures de gagné. Plus l'air est humide, plus ça va vite. Les derniers petits morceaux. Fermé ou pas allumé. On va lentement, d'abord très lentement, élever la température du four pour éviter que les pièces éclatent sur des chocs thermiques, sur des montées de température trop rapides. Fais ce que tu peux, je ferai ce que je pourrai. On est toujours un tout petit peu superstitieux parce que c'est le moment de vérité, là, au moment où on va cuire la céramique. Il faut que le four se comporte bien, il faut que le potier se comporte bien. Alors on dit au four, fais ce que tu peux, je ferai ce que je pourrai. Je crois qu'il faut être méditatif pour faire ça parce que il faut être extrêmement patient. Il faut être extrêmement patient. Les potiers sont des gens inquiets mais patients. Spécialement ceux qui cuisent au bois. Cuire au four électrique, c'est tout à fait différent. On remplit un four, on programme le four, on appuie sur un bouton et on va regarder la télé. Là, c'est toute autre histoire de cuire au bois. Et il faut conduire la cuisson jusqu'à son terme. Comme je cuis à la couleur du feu, c'est cette couleur-là qui me dit si la température est suffisante ou pas. Salut Puce. Il y a eu un choix de vie à un moment donné. J'étais assez sévèrement atteint de ma santé et il arrive un moment où je me suis dit, il faut que je change de vie, sinon ça va très mal se terminer. Et c'est là que, assez rapidement, j'ai décidé d'abandonner mon ancien métier pour ne me consacrer plus qu'à la céramique. C'était pas un cancer, c'était deux cancers. J'ai dû passer par plusieurs opérations, j'ai dû passer par 4 mois de chimiothérapie. Cette passion pour la céramique, à mon avis, elle a été absolument essentielle dans le parcours de ma guérison. À mon sens, quand on parle de lutter contre une maladie, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, avoir un but pour passer au-delà, ça c'est très important. Avant de partir à l'hôpital, j'ai préparé mon travail pour le jour où je rentrerai. Je savais que je ne pourrais pas porter plus de 5 kilos. Donc j'ai préparé mes paquets de terre sur une table de travail. J'ai fait un truc tout léger. Mais pour le moral, je rentre à l'hôpital. J'ai été me reposer un petit moment. Après, je me suis mis à la table. J'ai moulé 10 lampes à huile.
se trouve dans le département de Côte d'Or, région Bourgogne, à mi-chemin entre Dijon et Auxerre, et le lieu s'appelle Alésia. C'est un lieu très important pour les Français, c'est un lieu rassembleur, c'est un lieu mythique, c'est un lieu où s'est déroulée une très très grande bataille entre une confédération gauloise et l'armée de Jules César. Vercingétorix va être le rassembleur de toutes ces tribus gauloises contre l'armée romaine. Guillaume Tell est un mythe rassembleur pour les Suisses, Vercingétorix en est un pour les Français. Cette bataille d'Alésia marque l'histoire, parce qu'à partir de ce moment-là, les Romains n'imposent pas leur culture. Ce sont plutôt les Gaulois qui vont progressivement s'acculturer. La vaisselle en dit beaucoup sur un peuple. La vaisselle gauloise, c'est la vaisselle de la cuisine, de la bière et du beurre. La vaisselle romaine, c'est celle de l'huile et du vin. Donc ce sont des vaisselles très, très différentes, qui vont progressivement s'implanter dans un pays gaulois, un pays helvète aussi, et nous sommes tous tributaires de ces civilisations gauloises et romaines qui vont faire ce que nous sommes devenus. Yes, on va se mesurer à partir du milieu. Ouais. Hein? Ouais. Ouais. Une petite bosse devant, non ? Ouais, une petite bosse devant. Le but de ce voyage à Alésia, c'est de construire un four gaulois. Voilà, j'ai un fond de quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Un spécialiste. Peut-être une os d'amphore, je ne sais pas. La champenoise, un truc comme ça. Elle est quand même moche. Ouais, elle est quand même moche, je suis d'accord avec toi. Ah, on n'est pas si mal que ça. On n'est pas si mal que ça. Il y aura quelques centimètres enlevés à gauche. Ah ouais, j'aurais cru que c'était à l'inverse. Il y a un petit chouïa. Fiona Moreau, qui elle est archéologue, elle a un master en archéologie, elle est céramologue, et c'est une spécialiste en études de la céramique antique. Fiona, un jour, va reprendre l'essentiel de mes activités. Pour moi, les années passent. Là, j'ai 64 ans. Monter un four tout seul, ça commence à devenir un peu lourd. Je suis très, très heureux d'avoir quelqu'un qui me donne un coup de main dans ce job-là. Puis surtout, c'est quelqu'un d'absolument génial parce qu'elle a vraiment pas de main gauche. Que ce soit à la pelle, à la pioche ou sur un tour de potier, elle est vraiment très, très, très débrouille. Et ça, c'est l'essentiel. J'arrive à devenir la moitié de ce qu'il est devenu et puis faire la moitié de ce qu'il fait, je serais déjà très heureuse. Non, à la vitesse à laquelle tu progresses, tu le deviendras à la moitié de temps qu'il m'a fallu pour le faire. Oui, mais j'ai un avantage sur toi. Oui. C'est que toi, tu m'apprends tout ce que tu as appris pendant ces années. Même s'il y a beaucoup de choses que j'apprends toute seule, il y a quand même beaucoup de conseils que tu m'as donnés qui m'ont fait gagner quelques années. Qui évite des mois ou des années d'essai, ça, oui. Ça c'est bien évident. Oui. Bonjour. Bonjour. Et c'est parti. Voilà, c'est le yoga pour faire ça. On peut lancer la roue avec le bâton utilisé comme manivelle. Et ça fonctionne à l'inertie. Les gens sont quand même très intéressés. Et
le regard qu'ils ont juste quand Pierre-Alain tourne, par exemple. Je me dis que ça vaut le coup de se donner la peine de faire ce boulot-là. C'est vrai que le regard du public, c'est la plus belle des gratifications, je crois. C'est le public est complètement hypnotisé et les mômes sont émerveillés. C'est magique. La couche de finition. Il est beau notre four. Voilà. Il est bien. Des fois, je trouve ça dommage de remettre de la terre autour. Parce que ouais. C'est joli comme ça aussi. Ouais. On va être ouais. À l'aise. Yes, à la soupe. Tout le monde sait que je suis potier, céramiste, un peu archéologue, un peu artisan, un peu artiste, mais très peu de monde connaît l'essence de mon travail. Ce qu'il y a de très satisfaisant dans ce travail, c'est que ça me permet de faire quelque part le travail de l'archéologue que j'aurais aimé être, et à la longue, je suis devenu une sorte de créateur de céramique antique. Si j'avais réellement entrepris des études d'archéologie, j'aurais pas pu faire tout ce que je fais maintenant. Un archéologue, finalement, il passe 8-8% de son temps derrière un ordi. Tandis que moi, je passe pratiquement de 100% de mon temps à faire ce que j'aime.